Salut à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une recette infaillible pour jouer comme Jimi Hendrix. Allez, c'est parti. Alors quand je dis jouer comme Jimi Hendrix, évidemment c'est un bien grand mot, personne ne jouera véritablement comme Jimi Hendrix, il est évidemment unique, mais ici on va s'intéresser à ce qui fait une des caractéristiques de son jeu, c'est le fait de jouer des fills entre chaque accord. Donc quand je dis fills, c'est quoi? C'est le terme anglais pour désigner des petits motifs mélodico-rythmiques qu'on va jouer entre les accords de la grille. Si vous connaissez Jimi Hendrix, vous savez de quoi je parle. Il y a énormément de vidéos là-dessus, mais je trouve que ces vidéos-là sont très intéressantes, mais elles ne vous donnent pas forcément une méthode, une technique à appliquer et une méthode de travail pour arriver à faire correctement ces choses-là. Donc c'est le but de cette vidéo, je vais tenter de vous montrer une méthode, une recette que je qualifie d'infaillible pour jouer des fills et des accords comme Jimi Hendrix. Alors cette recette, elle est finalement assez simple dans la mesure où les ingrédients dont on va avoir besoin, c'est d'une part les positions du System Cage. Alors je vais pas m'étendre sur le System Cage dans cette vidéo parce que sinon elle va durer beaucoup trop longtemps. J'ai déjà fait une vidéo sur le System Cage que vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller regarder aussi plein d'autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube sur le sujet. Voilà, donc je vais partir du principe que vous êtes plutôt familier avec le System Cage, les positions, d'accord, du System Cage. Donc, on va associer ces positions d'accord à des positions de gamme pentatonique majeure et mineure. Alors, dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux positions de gamme de penta majeure appliquées à des accords majeurs. Encore une fois, si je prenais tous les accords, la vidéo durerait beaucoup plus longtemps. Et je considère que pour les accords mineurs, l'association avec les gammes pentatoniques mineures sont beaucoup plus intuitives que les associations entre les accords majeurs et les pentas majeurs. Donc c'est pour ça que je vais me focaliser là-dessus. Ensuite, on va appliquer des double stops. Donc ce que les anglo-saxons appellent les double stops, c'est nous en français ce qu'on pourrait appeler les doubles cordes. C'est le fait de jouer deux notes, deux cordes en même temps. Et enfin, on va utiliser des appoggiatures. Donc si je résume la recette, les ingrédients de la recette, c'est très simple. Position d'accord du System Cage associée à des positions de gamme pentatonique. Ensuite, on va appliquer des double stops et des appoggiatures. C'est exactement la recette que j'ai appliquée dans l'introduction, le morceau d'introduction que vous avez entendu. Voilà, il n'y a ni plus ni moins que ces ingrédients-là. Donc, petite parenthèse, si vous voulez récupérer la tablature de ce que j'ai joué et le backing track, eh bien vous allez dans l'onglet des ressources gratuites sur le site internet moderneguitaronline.com. Donc un bon exemple de l'utilisation de fills et des associations entre les positions d'accord et les positions de gamme pentatonique dans la musique de Jimi Hendrix, l'un des exemples les plus directement accessibles et les plus simples, pour moi je pense, c'est The Wind Cries Mary, et notamment la partie solo, le solo de guitare, qui reprend exactement ce que je vais vous montrer ici. Alors on voit ça maintenant dans le détail. On va prendre des positions d'accord du System Cage, des positions d'accord majeures, qu'on va associer à soit des fragments, soit des positions complètes de gamme pentatonique majeure. Donc ici, je vais prendre l'accord de Mi majeur. Et la première position qu'on va voir, c'est celle-ci, l'accord de Mi majeur que vous connaissez tous. Le premier Mi majeur qu'on apprend quand on débute la guitare, c'est celui-là. Et dans le System Cage, c'est un Mi majeur en forme de Mi. Voilà. Encore une fois, je vous renvoie au System Cage, aux différentes vidéos du System Cage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus plus longtemps.
Donc à cette position-là, je vais associer le fragment de gamme pentatonique majeur suivant. Donc je vais faire ceci, vous avez la tablature qui s'affiche. Voilà, je vais juste prendre ce fragment-là dans les cordes graves que je vais associer à cette position. Donc, juste pour rappel, les notes qui constituent la gamme de mi penta majeur sont les suivantes: mi, fa dièse, sol dièse, si et do dièse. Respectivement, on a la fondamentale, la tonique, la seconde majeure, tierce majeure, quinte juste et sixte majeure. Position suivante qu'on va utiliser ici pour notre accord de mi majeur, ça va être celle-ci. Ici, dans la théorie du système Cage, c'est un mi majeur en forme de do. Bon, ici, je peux même enlever le petit doigt si je veux et je peux garder juste cette triade là de mi majeur, et puis à la guitare c'est facile, je peux jouer un mi grave corde à vide. Voilà. Donc cette position là de mi majeur, on va y associer la gamme pentatonique majeure suivante, en tout cas dans cette position. Position suivante, on a un mi majeur en forme de la, et là on va associer cette position de gamme penta de mi majeur . Alors position suivante, je vais faire celle-ci qui est en réalité un renversement de mon accord de mi majeur. C'est un mi majeur avec la tierce majeure à la basse, donc le sol dièse à la basse. Et si je devais rajouter le petit doigt, ici je le rajouterais sur la corde de mi 12e case pour avoir ma fondamentale. Et ici dans le système Cage, on se rapproche de la forme d'un accord de sol majeur. Si j'ai sol majeur ici, comme ceci, et que je le transpose sur mi à partir de la 12e case, j'ai cette position. J'enlève ici le petit doigt parce que c'est pas évident à jouer, et on a cette position. J'enlève ici l'accord de mi grave et je me retrouve avec un mi majeur basse de sol dièse. Donc, premier renversement de mon accord de mi majeur. Voilà. Si vous comprenez pas les renversements, c'est pas grave, peu importe. Mettez ça de côté. Apprenez cette position et on va y associer la position de gamme pentatonique suivante. Donc ici à partir de l'accord de mi 12e case. Alors ici vous avez peut-être remarqué que pour cette position de gamme pentatonique majeure, eh bien, elle ressemble étrangement à une position de gamme pentatonique mineure, mais cette fois-ci la gamme pentatonique de sur do dièse. Do dièse, penta mineur. Pourquoi ? Tout simplement parce que les notes qui composent la penta mineure sur do dièse et les notes qui composent la penta majeure sur mi sont exactement les mêmes. On a les mêmes notes pour penta majeur de mi et penta mineur sur do dièse. Okay ? Encore une fois, je ne vais pas m'étendre ici sur la théorie. Apprenez vos positions d'accord et les positions de gamme. Et enfin, dernière position, en fait, on revient sur l'accord de mi majeur en forme de mi. En fait, c'est celui-ci qu'on joue à l'octave supérieure. Et ici, dans cette position en barré, on va associer la position de gamme pentatonique suivante. Donc, si je récapitule, on a ceci. Thank you.
Voilà, donc vous avez pu remarquer que pour certains accords, on a des fragments de gamme, hein, on ne joue pas sur toutes les cordes de la guitare, et pour d'autres accords, eh bien, on va avoir des positions un peu plus étendues, on va jouer là sur toutes les cordes de la guitare. Voilà, apprenez ça, et à chaque fois, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'associer la position d'accord à la position de gamme pentatonique. Il faut voir les deux ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir enchaîner ces différentes positions d'accord, ces différentes positions de gamme pentatonique, on va pouvoir les connecter sur tout le manche. Donc je vais partir de la première position que l'on a vue avec ce fragment de gamme. Et ensuite, je vais connecter et enchaîner à la position suivante. Et comme ça, j'ai parcouru quasiment tout le manche. J'ai parcouru une octave complète. À chaque fois en associant les accords avec les positions de gamme et en connectant sur le manche ces différentes positions. Donc ça, c'est un travail très important à faire. Deuxième travail très important à faire également, vous l'aurez deviné, c'est de transposer tout ça. Parce que vous savez le faire avec un accord de mi majeur, il faut maintenant savoir le faire sur des accords, sur d'autres accords, dans d'autres tonalités. Donc par exemple, si je pars de sol dans cette position-là, je sais que j'ai cette position, je peux avoir aussi cette position que je vais connecter à ça. Donc ça, il faut vraiment le travailler dans toutes les tonalités. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va essayer, à partir de ces positions de gamme, de créer des petits motifs mélodico-rythmiques en utilisant des doubles cordes, des double stops et des appoggiatures. Alors les doubles cordes, eh bien, c'est très simple à faire. Il suffit de jouer deux cordes en même temps. Donc on va jouer en fait deux notes simultanées de notre position de gamme penta. Donc, par exemple, si je pars de celle-ci, je vais jouer, par exemple, je peux jouer ces deux notes, ces deux notes, ces deux notes, ces deux notes. Voilà. En fait, à chaque fois, je vais jouer des intervalles qui sont constitutifs de ma gamme pentatonique. Voilà. Et ça, vraiment, vous cassez pas trop la tête à réfléchir. Allez-y un peu instinctivement. Hein, essayez de... Voilà, sur ces positions de gamme penta, voilà, essayez de jouer des doubles cordes, hein, de jouer en fait des intervalles que vous avez qui tombent sous les doigts avec les positions que vous êtes en train de jouer. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous pouvez mettre des petites appoggiatures juste avant de jouer certaines notes dans vos double stops. Hein. Par exemple, je peux faire ça. J'ai cette double corde là, hein, donc je suis sur cette position là de gamme penta majeur sur mi, hein, dans l'accord de mi forme de do. Je peux jouer ces deux notes par exemple, hein, donc quatrième case sur la corde de sol et cinquième case sur la corde de si. Et là avec ici l'annulaire, bah, je peux jouer des petites appoggiatures comme ça. Hein, et je peux faire ça dans d'autres positions avec d'autres doubles cordes. Ici, quand je suis dans cette forme-là, voilà, je peux faire ça. Hein. Je peux barrer ici avec mon index les cordes de si et de mi à la 12e case et avec mon annulaire. Je vais jouer sur la corde de si à la 14e case. Ok. Donc ça, c'est des trucs que vous retrouvez tout le temps dans le jeu de Jimi Hendrix. Hein, tout à l'heure, je parlais de The Wind Cries Mary, la partie solo. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, bien, si on se place en mi, alors lui c'est mi bémol parce qu'il a accordé, il a accordé plus bas, mais on s'en fiche, peu importe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce que je viens de vous montrer ici, le double corde à partir de la 12e case, et il fait un glissé. Voilà, à peu de choses près, c'est l'idée. Voilà, il fait ça, double corde avec appoggiature sur cette position de gamme de mi pentam majeur. Alors maintenant, on va voir la petite étude de style que j'ai composée, que vous avez entendu en introduction de la vidéo. Je sais pas pourquoi je monte par là, mais ça n'a absolument aucun sens. Bref. Donc, notre petite étude de style. J'ai pris une grille vraiment très simple, composée de trois accords majeurs dans la tonalité de mi. Donc, on va avoir premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Donc, mi majeur, la majeur et si majeur. À chaque fois, on a un accord par mesure. Encore une fois, je vous rappelle que si vous voulez la tablature de cette étude et le backing track qui va avec, vous vous rendez sur le site moderneguitaronline.com et vous vous inscrivez aux ressources gratuites. Donc, on a mi, la et si. Rien de compliqué. Je choisis de partir de cette position d'accord de mi majeur. Ok ? Donc là, je le décompose sur deux temps. Je vais jouer d'abord la fondamentale dans le grave. Voilà. Et je joue l'accord complet. Ensuite, je vais faire mon fills. Hein. Donc le fills, je vous rappelle, c'est les petits motifs mélodiques qu'on va jouer entre deux accords. Et je choisis de faire ça. Voilà. Je me suis pas cassé la tête, je reprends plus ou moins ce qu'il joue dans The Wind Cries Mary. Hein. Double corde avec appoggiature. Ici, pareil. Et je suis sur... Vous voyez que c'est pas compliqué, en fait. À partir du moment où j'ai choisi ma position d'accord, je suis sur cette position de gamme de gamme pentatonique majeure. Voilà. Et je fais des doubles cordes avec des appoggiatures dans cette position. Et ensuite, j'arrive sur le La majeur. Alors, quand vous faites ça, essayez de tomber sur des positions d'accords qui sont assez proches les unes des autres. Hein. Je ne vais pas partir de là pour me retrouver ensuite ici tout en bas du manche. Hein. Quand même garder une certaine cohérence. Donc si je pars, je choisis de partir de cette position-là. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour mon accord de La majeur? Bah, je peux avoir ça. Hein. C'est La majeur dans la forme de Do majeur. Ici, je vire le petit doigt et je la remplace par la corde à vide de La. Donc, je me retrouve sur cette position de gamme pentam majeur. Et là, je choisis toujours de faire des doubles cordes. Cette fois-ci, je vais faire un glissé, comme ceci. Encore des doubles cordes avec appoggiature. Donc je me retrouve ici avec mon annulaire sur la corde de La 11e case. Et ça, ça va me permettre de faire la transition vers l'accord suivant, qui est un accord de Si majeur que je vais prendre dans cette position. Et vous voyez qu'il y a une certaine cohérence quand je fais ça. Voilà, quand je suis ici avec mon annulaire, je glisse, je fais un glissé pour venir jouer mon accord de Si majeur. Je suis dans cette position, donc un accord de Si majeur dans la forme de Mi, et je sais que je peux lui associer cette forme de pentam majeur. Ensuite, je fais une petite variation du premier plan sur Mi que j'ai joué. Et j'arrive... j'arrive sur Mi, l'accord de Mi majeur, dans cette position. Donc Mi majeur, forme de Do. Okay. Voilà, ça, grosso modo, c'est ma grille.
Je vais la jouer deux fois et pour faire la transition, pour revenir au début de ma grille sur mi, je vais jouer des sixtes majeures. Voilà. Si vous avez l'habitude de jouer du blues, vous pouvez reconnaître voilà, ce type de plan voilà, en sixte majeure. Et ça me permet comme ça de revenir voilà, pour faire la reprise sur cette position de mi majeur. Donc je rejoue la même chose, je retombe sur mon accord de mi majeur dans la forme de do. Et pour finir, eh bien, je vais jouer un petit motif dans les cordes graves sur cette position de gamme quinta majeure. Pour finir sur cette position d'accord de mi majeur. Donc si je vous repais le tout tranquillement. Une fois que vous avez ces associations entre accord majeur et quinta majeur sous les doigts, eh bien, sur une même grille, vous pouvez vous amuser à jouer de différentes manières. Hein, si je prends la grille que j'ai utilisée pour ma petite étude, trois accords, mi majeur, la majeur, si majeur, eh bien, je peux m'amuser à les jouer de différentes manières. Hein, je peux partir de cet accord de mi majeur, faire un fil. Là, j'arrive sur la majeur. Faire ici si majeur. Je peux vraiment m'amuser à faire exactement la même chose, varier la grille en utilisant différentes combinaisons entre mes accords et mes positions de gamme quinta. Donc rapidement, pour conclure, je rappelle les différents ingrédients dont vous avez besoin pour jouer un peu comme dans l'esprit de Jimi Hendrix. Tout d'abord, position d'accord du système Cage associée à des positions de gamme pentatonique mineure et majeure. Ensuite, on joue des double stops et des appoggiatures. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bon travail à vous.